Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour les énergies, le message de ce jeudi 20 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité et totalement du passé. Je mérite de vivre dans l'abondance. Aujourd'hui, j'ai pigé le 10 de feu. Alors, le 10 de feu, cette suite, elle parle de quoi? Eh bien, elle parle de la créativité, elle parle de passion, elle parle aussi de carrière. Cette carte, c'est une sonnette d'alarme. Travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laisser les autres vous aider, problème de santé dû au stress. C'est vraiment une carte d'alarme pour certains d'entre vous. Eh bien, vous travaillez trop dur, peut-être que vous êtes au bord de l'épuisement, au point que même la petite chose, une toute petite chose vous énerve. Et pour des broutilles, vous vous en prenez aux autres. Alors, ça peut être dû au fait que vous cumulez plusieurs emplois ou que vous devez jongler avec les responsabilités professionnelles et familiales. Ça se répercute, cet épuisement, sur votre santé. Et là, j'en viens à Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, parce que si on n'est pas bien psychologiquement, eh bien, on ne peut pas être bien non plus physiquement. Et ça se répercute sur tous nos organes de notre corps. Il vous faut impérativement retrouver l'équilibre, une sérénité, un non-stress. Et il serait peut-être beau de dresser une liste de toutes vos responsabilités. Dressez cette liste et cherchez celle dont eh bien, vous pourriez vous dégager ou que vous pourriez donner à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas tout contrôler, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, c'est un épuisement à long terme. Déléguer, on vous demande aussi de déléguer un peu. On vous invite aussi à faire une pause et veiller à ce que vous dormiez. Alors, quand je vous dis que c'est une carte d'alerte, cette carte, elle peut également indiquer des problèmes de santé dus au surmenage ou au stress. On vous invite à prendre soin de vous parce que cet épuisement se répercute sur votre physique, sur vos organes. Être accablé par des sollicitations trop nombreuses vous épuise, déléguer et accepter ce que vous pouvez vous faire personnellement. Là, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez besoin d'un équilibre. Quitte à demander à une tierce personne de vous aider. Alors, vous pouvez faire appel à l'archange Michel, Michael, Michel,
qui vous libère de toutes ces croyances erronées que on vous a peut-être dit, vous devez travailler dur pour obtenir. Oui, ça sont des croyances erronées. Hein. Il faut bien sûr travailler. Mais on vous a pas demandé de travailler dur jusqu'à l'épuisement pour arriver à quelque chose, n'est-ce pas? Donc allez demander à ce bel archange Michel de vous libérer de ces croyances et de vous aider dans, eh bien, dans ce que vous vivez, dans cet épuisement qui est au bord du burn-out. Hein. On va le dire comme ça, hein. C'est vraiment une sonnette d'alarme, hein, cette carte. Vous êtes à la limite du burn-out. Hein. Donc, voilà. Allez, il faut se ménager, essayer de se ménager, déléguer et accepter ce que vous pouvez faire et pas pour faire plaisir à tout le monde. Voyez ce que je veux dire? C'est vous préserver aussi. Hein. Vous êtes encore qu'un être humain. Hein. Vous n'êtes pas un robot. Hein. Allez, on passe par le petit oracle des anges gardiens. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc un bon équilibre, c'est conseillé, un bon équilibre dans votre travail ici. Belle synchronicité. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur. Préservez-vous. Prenez soin de ceux que vous aimez et de ceux qui vous entourent. Et pour ma part, je vous embrasse et je vous dis à demain. Thank you.